votre avis, pourquoi c'est très important de faire des séances de lecture à voix haute? Pour pas être timide. Pour pas être timide, c'est vrai que ça encourage à prendre la parole devant tout le monde, oui. Pour pouvoir raconter des histoires à ceux qui ne savent pas lire ou qui ne peuvent plus lire. Est-ce que vous avez des techniques pour vous entraîner à lire à voix haute? Oui. On le lit plusieurs fois. Mmh. Et de plus en plus fort. Très bien, c'est une bonne technique, ça. Il y a une autre technique qui marche bien, c'est d'essayer de lire tous en même temps. Chacun lit une histoire différente et je dois rester concentré sur ma voix et sur le texte que je suis en train de lire à voix haute. C'est un exercice particulier. Peut-être qu'au début, vous allez être amené à vouloir rigoler, tout ça, mais essayez de le faire sérieusement, d'accord? Imperturbable. On continue. Un peu plus fort. Et tu t'arrêtes. Toi, tu continues. On finit par attendre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri, mais il y avait de l'anté dans cette. Merci. Ce genre d'exercice où on s'entrave volontairement, dès qu'on enlève l'entrave, on a l'impression qu'on a progressé tout de suite. Je lis. C'est comme une maladie. Je lis tout ce qui me tombe sous la main, sous les yeux. Journaux, livres d'école, affiches, bouts de papier, tout ce qui est imprimé. C'était vraiment très bien. Peut-être tu peux juste ralentir un peu. Prends le temps vraiment de penser les mots, de penser à ce que tu dis. Là, le ton y est, mais c'est simplement qu'on a vraiment un rythme qui est beaucoup trop rapide. Et le conseil que je donne, c'est la phrase, je la lis d'abord dans ma tête et ensuite je la lis à haute voix. Phrase suivante, je la lis d'abord dans ma tête, claque, je la lis à haute voix. Et ça met un rythme en fait. Ça met un rythme et le texte y respire et c'est plus agréable pour les personnes qui l'écoutent.